une fois pour se débrouiller, vous ne pouvez pas ma femme. Mais tu crois qu'elle pour se débrouiller, vous venez nous dégager. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à la fin? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à la fin? Vous voulez que nous nous prostituions ou bien? Lili, on ne peut pas se prostituer. On ne peut pas se prostituer. Des pleurs qui n'ont rien changé et rien pu faire pour sauver la maison de Laure des griffes de ce bulldozer. Comme elle, plus de 50 familles du quartier Angry Terminus 81-82 sont concernées par ce déguerpissement. C'est pas tout le monde qui est riche. C'est pas tout le monde. Chaque jour, on est ici, ça fait combien d'années? Il n'y a jamais de problème. On est ici, là. Il n'y a jamais de problème. Le déguerpissement de ces personnes s'inscrit dans le cadre de l'opération Saison des pluies, zéro victime, c'est possible. En initiant ce projet, le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité entend préserver les vies humaines. Personne ne sait qu'elle ne va pas habiter dans cet endroit. La mise en demeure ont été servies. Donc, il n'y a pas d'aide particulière. Elle sait qu'elle est partie de là. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est de préserver la vie qu'elle soit partie. 6 personnes, dont 2 enfants, sont mortes dans un éboulement le 16 juin 2022 dans la commune d'Atékoubé à la suite de fortes pluies à Abidjan. Le 21 juin 2022, 7 personnes ont également trouvé la mort suite à des conditions météorologiques, selon un bilan des autorités ivoiriennes.